Dostávame sa k prvému zahraničnému hosťovi, prvému speakerovi, ktorý bude hovoriť o svojej práci. A teda je nám cťou, že sa objavuje v tomto ročníku Dni architektúry a dizajnu. Eduardo Souto de Moura je z Portugalska. Hovorí, že architektúra je globálna záležitosť, že neexistuje žiadna ekologická, inteligentná ani udržateľná architektúra, že existuje iba dobrá architektúra. Samozrejme, nesmieme zanedbávať témy, ako je energia, zdroje, náklady či sociálne aspekty. Vždy treba venovať pozornosť všetkým problémom. Doplním, že Eduardo Souto de Moura je laureát Pritzkerovej ceny z roku 2011 a mnohých ďalších významných svetových ocenení, lebo patrí k osobnostiam svetového formátu. Impulzom na založenie vlastného ateliéru sa stalo víťazstvo v súťaži na kultúrne centrum v Porte. Okrem profesúry na univerzite v Porte pravidelne prednáša na svetových školách a často ho označujú za pokračovateľa odkazu Misa van der Roheho. S mimoriadne nezvyčajným narábaním s prírodnými materiálmi a farbami. Jeho domy sú parádne, také bude určite aj jeho rozprávanie. Máte sa na čo tešiť. Tento film s prezentáciou nášho zahraničného hostia odznie vo francúzštine a budete ho vidieť s titulkami. Tak si to užite. Dobre, že ste pri tom, ste naozaj pri výnimočnom momente Dní architektúry a dizajnu. Eduardo, počujeme sa? Ste tu s nami? Bonsoir. Je vous remercie l'invitation vous avez faite pour montrer mes derniers projets qui ne sont pas finis, sont des projets que je suis en train de finir, quelque chose sont finis, d'autres. Mais je pense que c'est plus intéressant de comprendre comment on travaille. Je vais montrer la collection comme auto-univers tout fini avec un maquillage parfait. Alors, l'autre chose, c'est, je ne risque pas à parler la votre langue. Je pouvais parler anglais, mais mon anglais, ce n'est pas bien. J'appartiens à une génération qui parle surtout et qui prend de la culture française, qui a influencé beaucoup la culture portugaise. Je pouvais aussi parler italien parce que j'ai étudié à une école italienne, mais pour la traduction, quelqu'un a choisi le français. Merci, on va montrer ça. C'est un petit village au nord du Portugal avec des maisons, 1, 2, 3, 4 maisons que je suis en train de finir récupérer. Et ici, je ne sais pas dire en français, sont des maisons pour les vaches, avec une volumétrie, un étage et deux étages. Elles ne sont pas possibles, d'être, ne sont pas récupérables. Alors, pour une question de la mairie et de paysagisme, ils m'ont dit, vous pouvez démolir, mais il faut reconstruire avec la même volumétrie. Bien simple, on voit à droite les deux maisons que j'ai démolies et reconstruites. Ici, c'est un restaurant. Là, c'est un auditoire. Ici, sont des chambres. Et ici, il y a un hôtel, un petit hôtel, avec 7 chambres et une piscine en bas. Bien, sur le plan rez-de-chaussée, il y a deux entrées, deux salles et une maison avec deux chambres. Ça, on entre là, la salle, un couloir avec deux chambres et les toilettes et le bain. De l'autre maison, on entre là, il y a au rez-de-chaussée seulement la salle et au premier étage de chambre. Bien, les façades, je suis un peu obsédé dans ce moment de réussir à faire des fenêtres. J'ai passé toute ma vie à faire des trous noirs
avec un langage abstrait. Mais maintenant, ça commence à être très cher et aussi à avoir des problèmes d'isolement et de climatisation. Alors, beaucoup de personnes me demandent les mairies, les études d'énergie. Alors, il faut perdre la peur de faire une fenêtre, parce qu'à mon avis, c'est la chose la plus difficile, c'est ouvrir des trous, portes et fenêtres dans un volume. Bien, à la maison, c'est fait avec blocs de béton, comme tout l'architecture vernaculaire maintenant. C'est une région où il existe beaucoup d'immigrants, une des régions plus pauvres du nord du Portugal. Après, il y a l'isolement à l'intérieur et un mur de briques que j'ai laissé comme des briques qu'on peut voir. Ce sont des briques résistantes, ce n'est pas des briques pour avoir du crépi. C'est pour ça que ça est devenu très cher, cette maison, mais c'est une expérience comme un laboratoire. En ce moment, ce qui m'intéresse, c'est faire des projets et faire des expériences, parce que l'architecture change tous les jours. Il y a beaucoup cette image des maisons avec la brique sans crépi. Un toit traditionnel avec une continuité de matériel et couleurs, et sont la maison finie, avec les ouvertures. Il y a un certain, ils m'ont critiqué pour un certain snobisme d'imiter les clandestins. C'est la porte d'entrée pour la deuxième maison. Et j'ai pris la couleur d'une maison, un dépôt ou un garage qui existe à côté. C'est la même. Et le paysage s'est ponctué avec des maisons de ce type en brique. C'est un portique pour entrer, c'est très chaud en été et en hiver, c'est très froid. Alors pour la voiture, entrer et ne pas prendre le soleil. C'est les autres maisons que je suis en train de finir. Et à changer tout l'intérieur et même à l'extérieur, quand j'ai besoin d'ouvrir les fenêtres, je veux maintenir ce langage anonyme. Je ne peux pas signer comme un architecte urbain. Ça, c'est dans un terrain de ma mère, qui est morte, m'a laissé. J'ai pensé à faire une maison pour ne pas travailler dans les week-ends. Ça passe si je reste à Porto dans le samedi et dimanche. Je reste à la maison et c'est la tentation, je vais toujours au bureau. Et ça m'étonne parce que je travaille en continuation presque toutes les semaines. Et il faut couper, avoir une, comme dans les livres, des parties, des absences, des parties vides. Et alors, j'ai pensé à construire une maison dans ce morceau de terrain, de jardin, avec des belles arbres. Et mon idée, c'est à côté d'une route où passent des voitures de temps en temps, et à cause du bruit, j'ai construit ces quatre murs en carré. Et à gauche, trois chambres. Ici, c'est l'entrée pour un patio. Après, la voiture, elle peut entrer et sortir. Et ici, c'est un chambre pour les machines techniques, une salle avec une cuisine et un fond, une chambre et un bureau si je veux travailler. Et ici, c'est au dehors, une terrasse. Et une piscine étroite, 3 mètres, avec 15. J'ai pris ça avec l'idée, j'aime beaucoup le plan de Ephesus, l'Agora, de Ephesus,
puis ça, quatre murs, et après, toutes les fonctions et les volumes, ils sont en dehors et pas intégrés dans les murs, dans cette arcade. Et c'est une belle idée. Les façades. Maintenant, je vais réfléchir si je vais, parce que les prix montent toujours au Portugal. Et ce que je voulais faire, c'est construire un béton ou un brique ou un bloc de béton, je ne sais pas. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Il y a seulement des ouvertures dans le coin. J'ai fini cette maison à Lisbonne. C'est un site magnifique. C'est le fleuve, le grand fleuve qui vient de l'Espagne, le Tajus. Et il entre dans l'Atlantique à droite. Là. Là. Alors ça, c'est une colline. La maison, c'est une belle vue. Le gros problème de la maison, c'est comment les voitures ils entrent dans le garage. Il y a une très énorme pente entre. L'entrée et le garage. Il y a une différence, je pense, 3-4 mètres. Alors, je ne pouvais pas faire une ligne parce que je n'avais pas la distance pour résoudre la pente. Et j'ai fait la courbe pour prendre du terrain et de la surface pour entrer dans le garage. Et voilà. Et ça m'oblige ici à l'entrée de faire une courbe. Et peut-être c'est la première fois que je fais une courbe en architecture, je ne sais pas pourquoi. Et la cave à droite, on voit trois voitures et après une chambre et une lavanderie et un dépôt pour mettre les bouteilles et d'autres choses. C'est un peu l'aspect de la curve qui tourne la maison. Et la maison prend la forme de la rampe comme la ville de Savoie. Au rez-de-chaussée, il y a cette curve qui détermine le plan où les voitures à ville de Savoie elles tournent en dehors du volume. Et on voit la rampe. Ici, c'est une fenêtre qui voit dans cette direction, dirigée contre la porte d'entrée, pour voir qui est dans la rue qui veut entrer. Et les voitures, elles font ça. Et ici, c'est la porte d'entrée avec cette couverture. Ici, la cuisine, les chambres pour les enfants, et la petite rue qui tourne et entre. De l'autre côté, pour compenser, pour ne pas faire seulement une cure, pour équilibrer un peu la maison, ici, il y a une chambre pour garder les vêtements, je ne sais pas comment dire. Et la fenêtre que j'ai parlé, c'est un bureau. Et le langage pour la rue, c'est très fermé avec des fenêtres. Et pour le sud, pour le fleuve, sont des terrasses ouvertes. Et c'est une maison ouverte pour le paysage, avec une cheminée qui le donne une atmosphère venturienne de Robert Venturi pour la maison de sa mère. Et indique, dans un bois comme ici, la maison, elle est là. Je ne savais pas comment faire la cheminée. Et on voit la courbe de la rue. Le matériau, c'est très bien fait, c'est du béton blanc. Des détails très bien faits. Ici, j'ai vérifié, alors, dans cette phase, la maison elle-même, c'est comme une grande maquette à l'échelle 1-1. Et après, j'ai vérifié que la fenêtre de la cuisine, c'est très grand, très grande. Elle était très proche du voisin, il faut la fermer. Le client a été sympa,
Il m'a dit, OK, je paye. Et la question s'est fermée. Moitié. C'est comme ça. On fait un panneau de béton. Il n'est pas complètement dans la même surface du mur existant parce qu'on a laissé une certaine ouverture pour introduire le béton dans la partie haute. C'est la fenêtre de la cuisine. Et voilà comment il y a trop de lumière, trop grand. Et la question, comment décider la cheminée, l'auteur du chemin pour le feu. Alors j'ai essayé de faire des maquettes naturelles. J'ai un bon constructeur qui est bas, plus haut, et après c'est défini. On a laissé à cet auteur. Et voilà la belle vue sur l'Atlantique. Dans la terrasse et en arrière, il y a une cuisine et une salle de toilette. Ce sont les dessins des espaces extérieurs, le jardin, qu'on est en train de finir. Et des détails à l'intérieur, toujours avec une règle. C'est la tangence, là. Ici. Ici. Ici, comment finir. Et je prends un carré comme ça. J'ai copié César qui fait ces choses très bien. Ici, c'est très important d'avoir la continuité de cette ligne. Et finir le bois qui fait le revêtement de cette mezzanine. Ça, c'est une pièce en marbre, comme en Grèce. C'est une toilette de l'entrée qui est tangence aussi la partie curve. Et c'est une erreur. Il faut résoudre les erreurs parce qu'il y a toujours. C'est la modulation des portes et des panneaux. Ici, il y a une erreur de 25 cm, je pense. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait à la sortie de la chambre? On a fait un miroir. Et ici, on a mis un petit armoire pour garder des anneaux ou d'autres choses. Le télémobile, pourquoi? C'est la chambre pour les vêtements et la grande terrasse pour le fleuve. Et ça, c'est la récupération d'une maison que j'ai faite à beaucoup de temps, presque 20 ans. Et le client, avec la crise de 2008, a été obligé à vendre la maison. Et maintenant, on ne pouvait pas la modifier ou la démolir parce qu'elle était classée comme patrimoine municipal. Et j'ai décidé cette maison à Macao, en Chine, quand je travaillais pour 6 ans. Et c'est de... Il y a un axe comme ça et un autre axe longitudinal, ça c'est transversal. Ici un carré avec une pyramide, ici c'est un couloir plus haut et cette coupole c'est la salle. Bien, ce sont des influences que j'ai trouvées après. Il faut réfléchir toujours après, et j'ai découvert ces éléments dans l'or aussi, et à Chandigarh, comme vous dites. C'est la maison refaite. Qu'est-ce qu'il voulait, M.C.? Il voulait une salle à manger en plus, il voulait un garage souterrain, de là à là. Mais je ne voulais pas détruire la volumétrie. Alors, ça, c'est la maison comme elle était.
les finir là. Et j'ai ajouté un autre module. Là. J'ai changé la cuisine. Et si j'ai dessiné une plateforme qu'on ne voit pas pour les voitures entrer, et c'est un ascenseur qui va à la cave. Et on voit ici la superposition. Et ce qu'ils m'ont dit dans la mairie, tu peux changer parce que tu es l'auteur, mais, si tu, mais on ne peut pas découvrir que la maison a été modifiée. Alors, si j'ai changé la proportion, les quatre chambres sont les mêmes, mais pour ne pas voir que j'ai changé, les éléments de la couverture, j'ai aussi modifié. C'est la cave, avec l'ascenseur, les voitures, une escalier nouvelle qui lit, qui fait la liaison à la cuisine. Et pour faire ça, j'ai détruit moitié de la maison. Et on ne voit rien. La plateforme, c'est un pierre enserré dans le matériel du sol. Alors, pour faire ça, on a coupé la maison au milieu, c'est un peu étrange. Et voilà, comme une installation de Martha Clark. On voit. Et on a refait la maison plus large avec les éléments de référence plus ou moins dans le même site avec des relations différentes. La maison plus large. Ça, c'est le garage en bas. La nouvelle coupole, pyramide, et la maison finie. Et je pense que bien, c'est plus proportionné parce que la dalle, la maison, avant, c'était horrible. Il avait une erreur, c'était très gros. Et maintenant, elle est beaucoup plus mince, plus élégante. C'est l'entrée, c'est la vidéo pour entrer. Partie latérale. Là, on voit la plateforme du garage en pierre. Ici, avant et après. Je ne sais pas, avant, on avait cette couleur à l'intérieur de ce sont des maisons que j'ai vues en Algérie. Qui sont avec une peinture verte qui donne une atmosphère, une sensation de fraîcheur, parce qu'Algérie, c'est chaud. Et j'ai proposé au nouveau client, mais il dit qu'il est en train de réfléchir et ça reste comme ça. Des nouveaux éléments dans le toit, c'est un peu métaphysique. Et j'ai introduit cet ventilateur. Il y a une fenêtre qui tourne. Et c'est une tradition chinoise, quand les choses sont très, très rigoureuses et géométriques, il y a un élément qui est contre nature. Et ça veut dire que ça a été fait pour des humains. La salle à la nouvelle coupole, et le pied fait la séparation entre deux espaces. Ça, c'est une indication. C'est la partie intérieure contre la lumière et le paysage, et la partie ouverte pour le paysage. Ce sont deux coins. Les chambres sont plus larges, sont plus profondes. On a introduit ces armoires, et en arrière, il y a pas seulement la lumière, mais aussi l'air conditionné qui sort de la partie arrière de l'armoire. Le couloir très haut, avec ces deux petites fenêtres qui font une ventilation transversale, les nouveaux toilettes en marbre, la nouvelle cuisine et l'escalier qui va en bas, le garage. J'ai dessiné quelques meubles comme l'armoire à droite, les tables et le reste, non, c'est acheté. Ça, c'est un site magnifique. Et c'est un terrain que j'ai trouvé aussi pour faire une maison. Mon corps balance entre le terrain de ma mère ou ce terrain ici. C'est à 10 minutes de Porto. C'est devant le fleuve. On le voit.
et le fleuve, il tourne 180 degrés. Il vient dans la direction east-west. Et après, il tourne et fait le contraire. Et c'est le même problème, toujours. C'est la pente, c'est très forte. Et on est obligé à faire une courbe pour prendre la distance pour résoudre la pente. Alors, c'est la route qui va entrer. Et au rez-de-chaussée, il va au garage, là. Pour avoir le masque 15%. Et un autre, c'est une salle et des chambres. Après, décider de faire trois chambres et une salle, très plus simple encore. Et une cuisine dans la partie de fond. La moquette, trois chambres, la salle et le garage. Maquette. Et cette vie, il faut prendre attention. La vie, c'est une chose qu'on ne peut pas laisser à la, comme s'il existait là, sans aucune importance. C'est comme un tableau, il faut encadrer, je pense, mettre du bois pour fixer l'image. Et la grande leçon, moi, a été Miss Van der Rohe dans cette résonance qui a dessiné la structure du verre, le grand verre, et l'a mis deux piliers pour faire les limites de cette chef-d'œuvre. Et j'ai copié et j'ai mis dans la grande salle, dans la salle qui n'est pas grande, la même modulation des portes coulissantes qui s'ouvrent pour la terrasse. C'est la gare au centre de Porto. Il y avait un monastère qui a été démoli. Et au 19e siècle, au 20e siècle, au début, on a construit cette gare au centre historique, en eau. Il y a la colline avec la cathédrale. Ici, il y a une place avec un hôtel. Ici, c'est une vallée. Il passe un fleuve souterrain. Il y a la gare. Il y a un cul-de-sac. C'est l'entrée pour les marchandises. Passe le rez-de-chaussée ici. Il y a des dépôts. Time Out, c'est une entreprise de restaurants, veulent aller pour faire des restaurants ici. Mais la plus belle vue de peut-être de Porto, c'est de la partie haute. Mais on ne peut pas faire dans cette plateforme, à cette hauteur, il y a un tunnel. Et à cause de ça, on ne peut pas construire là. Alors, j'ai pensé de faire une tour en fer, en acier, comme toutes les gares qui avaient des dépôts de l'eau, pour mettre de l'eau. Et ici, c'est la grande nave où, avec les restaurants, et à la partie finale, il y a des bureaux, administration et des toilettes. Ce sont des images de référence et mon idée, c'est faire ça. Ça, c'est mon dépôt. Ça, c'est un verre. Il y a des escaliers et un ascenseur. Il est situé à la fin du cul-de-sac. À gauche, une plateforme en pierre pour être une terrasse au dehors. Et maintenant, après ces maquettes et visiter beaucoup de fois le local, j'ai compris que la tour était basse, qu'elle allait contre le toit de la gare. Et j'ai monté 3,5 mètres. Et je vais proposer à la mairie
l'idéal permis de la, mairie, mais il y a aussi le permis de la UNESCO. C'est très difficile. Ils ont contesté beaucoup ce projet, mais à la fin, on a réussi à dire qu'ils disent oui. Et maintenant, on va commencer une nouvelle bataille de mettre, faire plus de 3 mètres dans, la tour en acier. On a fait des études de proportion et de structure. L'ingénieur, il a beaucoup de patience. Elle était comme ça, presque, on ne voyait rien. Et maintenant, on voit qu'elle est plus haute. Et la vie de ce petit restaurant en bar, on voit au-dessus du toit. Et ça, c'est le dépôt. Il y a une partie pour l'intérieur de la gare et une autre pour l'extérieur, avec la terrasse et une mezzanine à l'intérieur. Et ça, c'est, à mon avis, une des plus belles vues de, Porto, avec la tour de, l'architecte italien Manzoni. Et on voit ici l'ancienne tour qui est à droite. On a fait ça avec un, comment s'appelle les avions, Max-Charles Anthony, ou drone. On a fait avec un drone et on voit que le toit ne laisse pas voir le paysage urbain. J'ai fini un théâtre en France à Clermont-Ferrand. Ce n'est pas facile de travailler au dehors, à mon avis. De plus en plus, c'est difficile de faire de l'architecture. Et au dehors, dans d'autres pays, plus difficile encore. A été un concours, j'ai gagné. Et c'est dans le centre de, Clermont-Ferrand. Il y avait ici, c'est un quartier là. C'était une gare pour des camions, bus, et ça c'est le hall d'entrée qui est classé comme monument national de France. Après c'est la salle de théâtre ronde, et ici c'est la tour de la Seine. Bien, on voit la gare routière qui est classée, et j'ai pris ce volume. Ça, c'est détruit. Il existe ce volume en béton, c'est beau. J'ai gardé pour faire l'entrée le hall du théâtre. C'est de Vigneron. C'est un élève, un collaborateur de Perret. Cette partie, c'est en arrière, elle n'existe pas. Et c'est le prince. Alors, c'est, on voit le hall que j'ai réutilisé de la gare. Le théâtre, c'est rond, il fait comme un genou, c'est l'articulation. Ce n'est pas dans la ligne à 90 degrés. C'est comme un genou qui fait une petite rotation pour ouvrir ici. Et c'est un garage où rentrent des camions et pour qu'ils viennent pour transporter des scénarios et d'autres choses. Et ici, c'est une black box. Une salle où les gens peuvent, c'est un autre théâtre, ici c'est 900 spectateurs, et ici on sont 300, 340 quelque chose. Et ici sont les ateliers. Il y a toujours cette image que le théâtre c'est une boîte fermée dans la ville. Et comme on est dans le centre, je ne voulais pas faire un édifice fermé pour la ville, pour moi, avec des murs. Avec un édifice blind, aveugle. Et alors, dans le premier étage, il y a circulation, il y a une autre une mezzanine ici, dans la gare routière. Un deuxième hall, la partie supérieure. Le plan, plus ou moins, il y a quelque chose à voir avec le théâtre des Champs-Élysées de Perret. Et après, entre les deux salles, il y a un patio où les artistes ils peuvent venir du hall et ici filmer, parler,
et dans cette partie sur les loges. Ici, à la fin, il y a un restaurant seulement pour les artistes. La terrasse, voilà. Et ici, c'est la partie administrative, mais tout ouverte en arrière. Alors, le théâtre, ce n'est pas un équipement, c'est un quartier, tout un quartier, avec une relation pour la place avant, une relation pour la rue latérale, et on peut voir ici, du dehors, on peut voir qu'est-ce qui se passe dans la salle de répétition. Et ici, ce sont des services, administration et loge, qui on ouvre pour la rue qui est en arrière. Ancienne entrée. Et on propose le théâtre semi-circulaire. Et le grand problème, c'est comment faire cette hauteur pour la scène sans devenir un monstre, parce qu'on est obligé à récupérer la loge, la salle d'entrée de la gare. Et après, c'est le théâtre lui-même. Et après, c'est la scène. Alors, on doit faire une relation d'auteur et on ne peut pas voir le minimum possible le volume de la scène. Et voilà. C'est pour ça que dans la rue principale, où passe le tramway, le métro, ça c'est l'édifice récupéré et ça c'est la coupole déformée exactement parce qu'on ne voit pas. Seulement on va voir, c'est un petit coin ici. Voilà cette collage des éléments et des volumes, les préexistants et les nouveaux. Les parties rondes, elles fonctionnent comme des genoux pour faire la rotation des volumes. Et même dans le coin, ici c'est la cafétéria dans cet angle, et ici dans la partie de la mezzanine, la salle de répétition, il y a une très grande fenêtre pour la ville. Alors, il y a toujours une relation du dehors. On voit ici la salle de répétition et d'ici, on voit de l'intérieur pour l'extérieur. Au début, pendant le concours, j'avais des fenêtres en longueur. Mais c'est sud. Après, il faut faire attention à l'énergie. Ils m'ont critiqué, pas seulement pour être les grandes fenêtres, elles ne sont pas protégées par ces cieux du soleil. Et même dans le point de vue idéologique, ils m'ont critiqué en disant la fenêtre en longueur est liée à Corbusier, que ce n'est pas un ami maintenant de l'architecture française, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils ont sorti beaucoup de livres en disant que les fascistes, qu'il a écrit à Mussolini pour prendre le travail, blablabla. Bien, alors, pour faire la protection, je fais ces brise-soleil en béton préfabriqué, des boîtes, comme Corbusier a fait à Harvard, dans le Cap Data Center. Et c'est pour ça qu'on dit que ça semble le Corbusier. On voit les plans, c'est en juin, c'est le garage, c'est en juin, il entre là. Et ça, on articule la rue, une rue, l'autre rue et la rue principale. Ici, ils sont des joints, ce sont des garages. La section, ça c'est une tribu, et maintenant c'est fini. À la nuit, tout on a fait dans la décoration de bûcheron. On a intégré ici
des petites lampes LED qui, à la nuit, ils donnent la publicité pour quelle est la pièce théâtre, quelle est là, les acteurs, tout ça. Alors, ce n'est pas une chose très forte, comme à Las Vegas, c'est une chose très subtile, qui est pendant la nuit, on peut faire la lecture. C'est Paul récupéré avec la pierre noire de la même qu'on utilise beaucoup dans la ville, parce que c'est de la région. Quand on dit que c'est de la région, c'est parce que la pierre, c'est beau, c'est noir. Ce n'est pas pour être plus bon marché, c'est beaucoup plus cher, par exemple, que la pierre chinoise. Alors, le régionalisme, c'est fini. Les couloirs, et ici, c'est des trous pour le désenfumage que les ingénieurs ont oublié. Le patio des artistes, c'est un nouveau joint avec un jardin. Ils peuvent manger ici parce qu'il y a un bar des artistes. On peut venir dehors. Ici sont les grilles mécaniques de l'air conditionné. Le patio des artistes et la salle finie. Ça, c'est la black box. C'est une salle toute noire. On peut faire toutes les expériences de son et lumière parce qu'il y a des structures préparées pour prendre tout ce qu'on veut, lumière. Et le mur, il y a des détails. Ici, les murs sont préparés pour absorber le son, réfléchir le son, pour ne pas avoir écho. Ça, c'est toujours en France, ce sont deux édifices de bureaux que je fais avec un ami. C'est Laurent Boudouin, il fait l'habitation et je fais des bureaux parce que l'habitation en France, il y a des règles très, très compliquées, je ne domine pas ces règles. Alors, on a divisé le projet. Eduardo, tu fais les bureaux, ce sont des espaces vides. Chacun veut et modifie et fait l'habitation. C'est ici, il y avait le mur, une muraille du centre historique de Nancy. Et ici, c'est une rue comme une porte là de l'entrée. C'est un quart de zone écumale, je ne sais pas très bien. Il y a une nouvelle place. Et ici, il y a un collège, une école. Ici, sont le bloc de Laurent Boudouin, d'habitation. Et je fais ici un édifice et un autre. Et ici, c'est une tour très haute. Voilà. J'ai ouvert les coins pour avoir donné un peu une atmosphère moderne parce que le plan il oblige à faire les fenêtres verticales. Je n'ai rien contre la fenêtre verticale. Ils m'ont dit c'est obligatoire dans le plan, ok, mais je ne voulais pas faire un édifice rétro de rêverie de néoclassique. Et alors j'ai utilisé le béton, j'ai ouvert les coins pour dire ça. Pour faire ça, on est obligé de construire un béton. Et le béton, c'est un matériel contemporain. Il y a des loges au rez-de-chaussée ouvertes dans les coins et dans les terrasses aussi ouvertes. Et on voit ici. Ici ouvert. Et ici terrasse. Il y a un équilibre, une compensation. Et ici, dans le plus haut. Et on voit l'édifice plus haut, ouvert une terrasse, l'entrée. Et ça, c'est Boudouin. Et on a fait cette ligne très forte qui prend la corniche du collège. Ce sont les plats, l'escalier, c'est banal, au milieu avec l'ascenseur. Et on voit ici, là,
ouvert. Ouvert. Le matériau, on a discuté beaucoup. Je voulais quelque chose avec ce type de fenêtre, pas une chose en carton, un postmodernisme fausse. Et après, on est arrivé à faire un béton. On cite l'édifice et les piliers en béton préfabriqué. Et la couleur, c'est une crème, comme la pierre de Clément, de Nassy, excusez-moi. Elle est finie. Il est en train d'être poli parce que le béton, c'est un peu de gris. Et la place avec les arts déjà. L'école. Ici, on voit bien la terrasse et le rez-de-chaussée. Et ça, c'est Laurent Baudouin. Bien sûr qu'on a travaillé ensemble sur ces lignes et dans la même couleur. C'est une ferme à Lisbonne, je fais des maisons pâtures. C'est une ancienne ferme, très beau. Et maintenant, dans la périphérie, on a fait des grands immeubles horribles. Et voilà, l'îlot, c'est bien. C'est très beau. Avec des murs comme ça. Et ici, c'est horrible. Il y a une échelle comme en village. Et ça, c'est à 5 minutes de Lisbonne. Et on voit l'atmosphère, l'échelle de comme en village. Et je ne voulais pas détruire cette échelle. J'ai proposé des maisons avec un étage, avec des maisons patio, avec deux patios. C'est l'entrée, il y a un patio. On entre, garage. Après, les chambres, un patio pour les chambres, un couloir, la salle, un jardin, et quelqu'un, il y a des piscines, qui va. Alors, on ne va pas voir les maisons presque parce que les arbres et le jardin vont manger presque l'architecture. Et c'est, à la fin, c'est terrible, c'est comme un village du Far West, des cow-boys. Il y a une chose qui m'intéresse, c'est très les maisons, l'auteur, c'est basse. La salle est tout en verre et se donne pour là. On n'a pas besoin de changer l'auteur. Et les cubes qui sont là, ils ont presque 3,5 mètres, ils sont les toilettes, les salles de bain. Et c'est bien parce que c'est bas, 2,50 m. Et après, on ouvre la porte et on voit avec un cerner une immense pluie de lumière. C'est la troisième expérience que je fais de maison patio. Alors, j'ai fait cette première expérience à Porto, avec des portes coulissantes pour les garages. C'est devant le port de Porto. Et après, une autre, c'est ici, près d'un boulevard. Et maintenant, Lisbonne. C'est un peu logique, je ne sais pas pourquoi. Que tout le monde, il aime, demande, et c'est très commercial à la fin. Ils vendent ça presque dans le papier avant de construire. J'adore cette photo parce qu'il me semble que ce sont des ruines d'une ville romaine ou quelque chose comme ça. Et maintenant, on commence à voir la rue. Et on voit ici l'auteur des salles de bain qui sont en marbre.
C'est une autre maison que je fais à Zagreb. Ce n'est pas facile de me dire. C'est assez intéressant parce que c'est un terrain vide au centre de Zagreb. Ça, c'est des rues importantes à Zagreb, commerciales, tout ça. Et il y avait ici une maison qui a été détruite et mon client a acheté ce terrain au centre. Il va être isolé, pas de bruit, être à l'intérieur avec beaucoup de privacité. Mon première idée, c'était faire une maison en verre et contre les murs en briques. Alors, les briques de la maison sont les briques des voisins. Mais mon client dit, excusez-moi architecte, mais je n'aime pas la brique. Pour moi, la brique, ça me donne une idée que je ne veux pas faire une rêverie ou une recordation de la brique. Alors, j'ai dit, ok, mais j'aime cette couleur, on va travailler cette façon. On a fait deux corps, un pour la rue, c'est l'entrée, c'est une galerie d'art, l'entrée, ici la grande salle qui donne pour un jardin, ici une piscine, et ici les chambres. La maison est fermée pour la rue, la galerie d'art, une terrasse, et ici les chambres. Et tout ça s'ouvre. Pour la... Et au milieu du patio, il y a un grand arbre. Alors la salle, couloir, les chambres, et ici c'est la ville de la piscine. C'est l'image qui a été quand on a ouvert les panneaux de la construction, on a eu beaucoup de réactions en disant pourquoi cette maison est fermée, elle ne veut pas le rapport avec la rue. Mais maintenant les gens comprennent qu'on voit qu'il y a une grande privacité et on voit le rez-de-chaussée avec la galerie d'art. On entre de nouveau avec la courbe. Les voitures, elles entrent ici. Ici, c'est le garage. C'est fermé, c'est un toit. Ça, c'est un faux pilier. Ce sont des arbres pour ne pas voir les voisins. Ici, la galerie, on entre. Ici, ascenseur, escalier. Premier étage, salle. Et la piscine. Non, ça, la cuisine. La piscine. Et trois chambres au premier étage. Et les salles de bain, une chambre à droite, elle donne pour ces terrasses, ce qui sont des jardins, c'est le vert, ici. Ça, c'est un jardin. La façade pour la rue, maintenant, c'est plus simple, il y a moins de dessins. Face à l'arrière, un coupe. C'est le mur pour la rue. C'est un béton rouge ardent et la couleur c'est sombre. Je voulais quelque chose qui est proche de la brique. C'est le détail pour Beaujardin. Dans la galerie, il y a un verre de 9 mètres. Je ne sais pas si c'est 9, si c'est 10. C'est un verre énorme. C'est en arrière. Ici à droite, soleil, les chambres avec des brises soleil en aluminium. La terrasse qui va être un jardin. Et là, c'est une salle de bain. On va faire ici un jardin, la salle et la terre pour mettre là. Et la piscine, c'est en marbre. C'est très simple, tout est simple, c'est cher parce que
Il va des belles choses et il y a des pièces en marbre avec 3,5 mètres jusqu'à là. Et voilà. Ici, c'est l'opération de Beaujardin la pierre avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, c'est un monastère que je fais maintenant. C'est un monastère transformé une partie dans un hôtel. C'est de l'ordre de Cisterne. C'est dessiné pour des architectes, je pense, de l'ordre de Bernard de Claréval. C'est un cloître comme ça. Et c'est... Je ne vais pas expliquer, c'est seulement dire parler de la difficulté. Je vais mettre dans ces maisons urbaines, je vais mettre toutes les infrastructures d'air conditionné, et après faire un tunnel, et après ils montent dans les coins qui sont les ascenseurs pour aller aux étages. Et ça sont pour ne pas toucher et frapper. Évidemment, les colonnes et la pierre des murs, on va faire des boîtes. Et on est tenu en haut en acier, alumine ou en bois pour détacher le langage des boîtes, le langage du monastère. Et ici sont des salles pour je ne sais pas dire en français. Beaucoup de problèmes de technologie, la stéréotomie du sol qui ont fait la céramique égal à ce qui existait, et j'ai proposé, c'est un scandale, de faire une piscine intérieure. J'ai rebassé le sol pour mettre de l'eau. J'adore cette image. On a détruit toutes les dalles en béton parce qu'après être monastère, quand ils ont fini les ordres religieuses, on a offert les édifices religieux pour des institutions, et dans ce cas, des maisons d'anciens et après des maisons militaires qui ont détruit le monastère, comme on peut voir. Et l'idée, c'est ça, là. Comment ça s'appelle? Ça, c'est à Istanbul. C'est la réserve d'eau, la cisterne. Merci. On traite les pierres qui sont pleines de sable. Ce n'est pas facile. Et on fait beaucoup de choses. Et le gros problème, c'est la lumière. Je ne veux pas faire la lumière directe, mais pour être illuminé avec cette hauteur, il faut mettre des lampes très fortes qui font des flashs horribles dans les murs. Alors, on a décidé de faire ces lampes suspendues très calmes. Et on va voir. On va faire des examens. Ça commence, le sol c'est en bois. Et pour finir, c'est là une petite chapelle qu'on a fait au Vatican, dans une île où il existe une très belle église de Palade, San Giorgio Maggiore, ici. Il y a un monastère et un bois. Et pour la Biennale de Venise, le Vatican, avec un commissaire qui s'est d'accord, le directeur, l'historicien et le directeur de la revue Casabelle, a invité 11 architectes et on a choisi des sites. Moi, j'ai choisi un site intérieur à côté du chemin. Jamais j'ai fait une chapelle, je ne peux pas dire que je suis religieux. Et j'ai pensé un site pour réfléchir, penser, c'est pas un site calme. Et pour être une certaine simplicité, une certaine gravité
des énormes blocs de béton. J'ai pensé, mais après, le directeur d'Alcoa a dit non, il faut faire en pierre. Après une stéréotomie que j'ai vue en Amérique latine, au Mexique. Comme ça. Et comme le sol est plein d'eau, il faut faire des grosses fondations extérieures. Il faut doubler l'épaisseur du mur. Alors on fait comme une grande banque où les gens se peuvent asseoir. Ici, c'est l'entrée. J'ai cherché de trouver un arbre ou un élément pour filtrer l'entrée. C'est une chose que les Japonais font très bien. Et voilà, l'arbre, le chemin, le trapèze, et ici, deux pierres pour faire un toit, ici au milieu. Et la chapelle est ouverte au fond et à l'entrée. C'est comme le pavillon de Miss à Barcelone. On voit la lumière en arrière. Et voilà. On entre. Les deux grandes pierres. Peut-être une croix. C'est une chose que j'ai hésité. Une division tripartite comme les églises chrétiennes. Et la perspective. Ce sont des détails pour l'ingénieur. Je voulais faire la première pierre avec épaisseur pour faire la fondation. Après, il dit qu'il faut faire un bois, parce que Venise, les fondations sont en bois. Après, j'ai pensé de. Quand Alco m'a dit qu'il faut trouver la pierre, il faut aller choisir. Et j'ai fait des croquis expliqués. Je vois des gros pierres avec sept dessins détruits qui semblent vieux avec la patine, avec ces pièces métalliques qui font la liaison. On a fait l'implantation, on voit à gauche d'Alco, l'arc qu'on a trouvé, les fondations, l'arc à l'entrée, la maquette. Les deux pierres énormes, les pierres de la chapelle qui à la fin c'est préfabriqué, ils ont travaillé les machines jour et nuit, ils sont venus en bateau. J'aime beaucoup cette idée comme les pierres qui viennent en bateau comme en Égypte. Façade latérale, l'autre façade. Après des discussions, comment finir le banc qui fait ça, qui tourne. Il y avait une pierre ici et tout le monde disait non, non, non. Et je disais oui, oui, oui. Et alors, je vais laisser la pierre ici, comme dans une gravure ancienne. Il y a un texte très beau de Monet sur l'ordre de Corinthe qui part d'un capitaux abandonné. Et voilà. Pierre avec texture, dessin, les deux pierres qui font la couverture. Et finalement, avec un rigueur, il y a des gens qui disent maintenant on ne peut pas construire en Europe, en Italie, parce qu'il n'y a pas des ouvriers. Comme ça, ce sont des ouvriers merveilleux. On voit la rigueur, comment on fait ça pour finir. C'est comme la pierre qui ferme les arcs. Ça, je ne sais pas dire en français. C'est la pierre mortale. C'est pour le mettre les pieds. Et après, finalement, j'ai dessiné une croix. J'avais un joint et j'ai fait un petit geste, un crayon, et l'ouvrier m'a fait une croix. Alors la croix, c'est la chose plus naturelle possible. Et ici, c'est la femme du photographe qui était là, parce que c'est ce qu'il m'a dit. Et le photographe a dit, ah, tu dois aller là pour faire une photo. Et après ça, on m'a invité à faire une intervention dans un parc de sculpture. Et j'ai pensé faire une chose, pas comme ça, mais souterraine,
de construction paléochrétienne et préhistorique qui existe à Andalousie, assez près de Séville. Ça, c'est une coupe avec des pierres qui recouvrent la terre avec une lumière incroyable, filtrée. Mais ils ne m'ont pas laissé de changer le terrain. Alors, il faut faire au dehors de la terre. Et maintenant là, quand j'ai proposé de mettre au dehors, j'ai fait un dessin au dehors. Fondation latérale, pierre couverture, l'hiver. Et ça, c'est peut-être le plus grand designer, Michele Di Lucchi, qui dessine toutes ces lampes. Je ne sais pas le nom de la lampe, c'est la lampe plus fameuse. Tout le monde l'a dans le bureau et à la maison. Il a fait ça et ça m'a fait réfléchir sur l'homme de Bignol. Merci beaucoup. My ďakujeme pekne za túto prezentáciu a teda tešíme sa, že ste si ju pozreli. Eduardo Souto de Moura s nami strávil čas na Dňoch architektúry a dizajnu. Pozreli sme si prvú prezentáciu zahraničného hostia. Teda bolo to mimoriadne silné rozprávanie skvelého umelca a teda aj osobnosti, veď koniec koncov boli ste pritom a tešíme sa, že ste venovali pozornosť tejto prednáške, tomuto rozprávaniu.